reborn. Chaos reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de comment détecter les sorciers. Je vous ai donné plus de détails et tout ça, je ne vais pas revenir sur ça, mais je vais poursuivre ce que j'ai commencé ici, là, juste là, en face de vous, pour vous dire des choses qui vont vraiment vous aider. Mes frères et sœurs, vraiment dans la vie, quand on veut faire un bon choix, il ne faut jamais se presser. Et il ne faut jamais sauter sur la première occasion qui est venue. Non. Parce qu'en général, le diable est toujours pressé. Tellement pressé qu'il veut toujours être la première personne à venir vous faire des propositions. Juste pour vous détourner du bon chemin. Qu'est-ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente par rapport aux sorcières? Je vous ai clairement dit que je vous ai dit que les sorcières, elles ne sont pas sorcières pour rien. Elles sont sorcières parce que elles doivent jouer un rôle. Elles doivent partir en mission. Et en général, le diable les utilise et les envoie vers les hommes. Afin de faire quoi? Afin de détourner ces gens-là, ces hommes-là, de la volonté de Dieu, de la volonté divine. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est descendu, il vous a parlé comme il a parlé à Adam et vous a dit, tournez à gauche, elle, la femme, animée par l'esprit du diable, elle va venir un moment donné dans votre vie pour vous dire de tourner à droite. C'est-à-dire, elle va vous dire le contraire de la volonté de Dieu. Et elle va vous influencer dans vos choix. On nous dit que la présence de mauvaises compagnies autour de nous, ça fait quelque chose. Ça corrompt les bonnes mœurs, ça corrompt, ça dit, c'est mauvais. Eh bien oui, ça a des effets. Même si vous êtes une personne vraiment forte d'esprit, vraiment, faites tout pour ne pas marcher avec des vampires. Faites tout pour ne pas dormir dans le même lit avec un serpent. Faites attention. Et ces femmes sorcières, elles sont remplies là dehors. Et elles ont toutes la même mission. Elles ont toutes le même esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez déjà quelle est la forme qui vous plaît. Vous savez déjà vos genres de femmes. Oui. Mais moi, je vous dis, la sorcellerie ne considère pas tout ça. Tout ça, ça ne dit rien. Ça ne veut rien du sorcier. Que la fille que vous aimez là, que le genre de femme que vous aimez là, que ce soit les femmes en forme ou les femmes minces, la sorcellerie s'en fout de ça. La sorcellerie ou l'esprit de la sorcellerie se trouve dans la tête, dans le corps de la personne. Oui, ça veut dire que tu peux voir une femme qui est mince, mais qui a la sorcellerie. Et une femme aussi qui est en forme, qui a aussi la sorcellerie. Maintenant, toi, tu vas voir, tu vas dire que, ah, voici celle qui est mince, elle me plaît. Ou bien tu vas dire, oh, celle qui est grosse, elle me plaît beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas regarder sa forme et puis tu vas faire le choix là, ça ne veut pas dire que tu as chassé l'esprit de la sorcellerie là, qui est en elle. Les deux peuvent avoir le même esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'elles soient grosses ou minces, elles auront le même comportement. Le résultat là sera le même à cause de l'esprit qui les anime. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que ce qui doit vous intéresser vraiment là, chez une femme, ce n'est pas son apparence d'abord,
Non. Forcément, une femme qui ne vous attire, une fille qui ne vous attire pas, vous n'allez pas aller vers elle. Mais je vous dis que vraiment, ce n'est pas son apparence d'abord. Même si vous le voulez. Regardez-la à distance. Dès que vous voyez que son apparence vous plaît, à distance, hein, observez ses frères et gestes, ses moindres mouvements pour voir si elle a un bon esprit ou pas. Parce que tu peux voir une fille ou bien une femme. Elle est très belle d'apparence, mais tu ne peux pas savoir si elle a un vilain caractère ou pas. Tu ne peux pas savoir si elle va te porter bonheur ou bien malheur. Quand on va se marier, on dit quoi? On dit, oh, on va se marier pour le meilleur ou pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand tu vas épouser une sorcière, faut même pas t'attendre à ce qu'il y ait le bonheur dedans. Ça sera le pire juste du début jusqu'à la fin. Le pire, je dis, du début jusqu'à la fin. Parce qu'elle va rendre ta vie hein. comme du hamburger que quelqu'un a de manger avec toute sa force. Et bien oui, elle est belle. Les filles, les femmes sorcières, les filles sorcières qui sont dehors là, elles sont très belles. Mais elles ont un vilain caractère. Ce sont déjà des filles, comme elles savent déjà qu'elles sont des sorcières, comme elles savent déjà qu'elles ont un vilain caractère, qu'est-ce qu'elles font? Elles font semblant d'avoir une voix doucereuse, du genre, hey, bonjour monsieur. Ben vous êtes là, vous dites, hey, mon cœur est touché. Elle m'a bien salué dès. Pendant que vous êtes là avec vous, pendant qu'elle gagne votre conscience avec sa petite voix doucereuse, qu'est-ce qu'elle va faire après? Après, elle va prendre un autre ton. Oui, maudia là. C'est pas parce que tu es bien salué que tu as dit. Quand tu regardes, quand tu te parles dans la tête en même temps, tu dis, hey, j'ai cru que tu étais un ange. Alors que tu es le diable, déguisé en ange. Vous avez vu ça? Ça là, c'est ce qui se passe là dehors. Il y a trop de choses qui se passent. Dehors, est-ce que vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé là aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je vous explique? Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je ne sais pas. Parce que quand la société attaque quelqu'un là, il faut que cette personne-là connaisse bien le comportement des sorciers afin de pouvoir savoir que c'est la société qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes face à une personne, le moindre fait et geste de cette personne peut vous permettre de savoir si cette personne-là est avec le Seigneur ou pas. Est-ce que cette personne-là est une ennemie? Dieu a dit qu'on va reconnaître les vrais prophètes par l'accomplissement de ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que tu dois attendre que ce qu'il a dit là s'accomplisse. C'est-à-dire que ça prend un temps. Un certain temps. Ou bien il a dit qu'on va reconnaître les vrais serviteurs de Dieu par les œuvres. C'est-à-dire que le gars doit avoir des œuvres d'abord. Avant que toi tu commences à faire tes calculs. Eh bien oui. Vous voyez ça? Ça veut dire que vous devez attendre d'abord que ces gens-là se mettent à poser des actions. Cela, c'est comme vous, hein, vous n'avez pas les yeux spirituels et que vous ne connaissez vraiment pas les sorciers et comment ils opèrent facilement. Parce qu'il y a certaines personnes là, qui étaient dans la sorcellerie, Dieu a délivré. Ces gens de personnes-là, même quand elles entrent dans une maison, elles peuvent sentir l'odeur de la sorcellerie. A dit à partir de l'auteur de la maison, ces gens peuvent savoir s'il y a la sorcellerie dans la maison ou pas. S'il y a les sorciers ici ou pas. Vous voyez? C'est de ça que je vais vous parler. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si vous allez bien comprendre ou bien, je ne sais pas. Mais il faut que je vous explique quand même. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je suis sorti explorer un peu le marché. Vous voyez? Je suis allé juste pour voir ce qui se passe sur le marché. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses que je peux ajouter à ce qu'on a afin que nous puissions faire des vidéos de plus en plus de belle qualité.
Vraiment. Et c'est dans cette optique que je suis sorti. Je suis parti, j'ai fait beaucoup de choses. Et à un moment donné, après avoir recueilli toutes les informations, j'ai décidé de revenir à la maison. Toute la journée, je n'ai pas mangé jusqu'à 18 h. Et je revenais à la maison. J'étais déjà même un peu même épuisé, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai foi. Quand je m'épuise, c'est toi qui es ma force. Conduis-moi. Ça veut dire que je marchais. C'est comme si j'étais épuisé, mais j'étais fort en esprit. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, il va falloir que je mange après. Donc, je préfère acheter la nourriture pour garder au cas où. Et voici comment. Je suis allé vers une femme qui vend la nourriture. Ça, c'est une autre femme. J'arrive là-bas et je passe la commande. Et pendant que j'ai passé la commande là, j'ai vu venir à ma... C'est comment ma... Ici, c'est droite, non? Non, c'est gauche. À ma gauche, j'ai vu venir à ma gauche un homme, en fait un jeune homme, avec une belle jolie fille, une belle jolie femme, on va dire ça. Comme déjà les deux se battent pour donc... Vous voulez que je dise quoi? Donc j'ai vu venir une belle jolie femme. Vraiment, je vous assure. Il y a déjà des femmes sur la tête ici, là. Quand vous les voyez, même si vous êtes trop fort d'esprit, c'est vraiment difficile de résister à elles. Parce qu'elles sont très belles. C'est rare de voir une telle beauté. Ce que je voulais de voir, c'est une beauté rare. Elle avait une forme vraiment taillée sur mesure. Elle était extraordinaire. Mais en même temps, elle était accompagnée. De toute façon, la plupart des filles et des femmes qu'il y a dehors, là, elles ne sont pas libres. Si elles vous disent qu'elles sont libres, elles mentent. Aucune n'est libre. Allez-y. C'est pas moi qui ai dit, oh, c'est une autre femme comme elle qui m'a donné cette révélation. C'est pour que vous transmettez ça ici. Hein. Nous sommes ma famille, on se donne les vrais conseils. Écoutez-moi. Oh. Et j'étais là tranquillement. Et puis... Vraiment, sa beauté à distance m'avait déjà emballé. Mais il fallait qu'il soit fort. Donc je suis resté serein. Il y avait une paire de lunettes qui avait positionnées ici. Vous savez comment ça se passe? La paire de lunettes ici, tu enlèves, tu mets ça ici. C'est ta tête. C'est ce que j'avais fait. Et elle l'a tournée jusqu'à. Elle a arrivé là où. Moi, je vais acheter la nourriture. Je suis là, elle est là. Il y a juste 50 cm entre elle et moi. Il dit, ouais. Et j'ai regardé ça jusqu'à. J'ai dit, vraiment, vraiment, quand une mangue est belle et que la mangue se trouve sur le monkey, il faut la cueillir. L'accueillir, mais je restais tout de même serein parce que l'Esprit de Dieu m'avait pas encore parlé. Tant que l'Esprit de Dieu m'a pas dit de faire un mouvement, je ne ferai rien ici parce que c'est lui qui m'a donné la vie, c'est Jésus qui m'a donné la vie. Donc je vis pour Jésus-Christ et je vis pour Jésus-Christ, je vis pour Jésus-Christ et je vis pour Jésus-Christ. Donc, tout ce que Dieu va me dire, hein, c'est ce que je fais. Ça veut dire que même si j'aime cette mangue-là, tant que Dieu n'a pas validé, je ne dirai rien, je ne pousserai même pas le petit mot. Ouais. Parce qu'un homme mort, il ne cherche pas mangue. Il faut être vivant pour pouvoir chercher une mangue. Vivant, il est en bonne santé, hein, et puis avoir de la thune. Oui. Cette vie-là, c'est Dieu qui m'a donné. Alors, j'ai lu toi tout. Aujourd'hui, là, je vous le dis. C'est pourquoi notre chaîne s'appelle Nyang's Reborn Renaissance.
Donc j'étais là, comme je vous l'ai dit, j'étais là. Je ne bougeais pas. Et elle tournait, tournait, tournait. À un moment donné, je me suis dit, la fille là, elle est trop belle. Elle est tellement belle que si je la regarde trop, c'est pas bon. Je ne veux pas être séduit. Du coup, j'ai dit que je vais détourner mon regard d'elle. Mais en commençant par porter ma paire de lunettes solaires. Je prends ma paire de lunettes solaires et je fais descendre tranquillement sur mes yeux. Et je la floutais en esprit. C'est-à-dire, je la vois, je la vois même pas, même. Elle est con. Elle est là-bas, elle est con. Elle est là-bas, moi, ici. Je suis ici. Maintenant, je suis tranquille. En train de penser à autre chose. Quand cette fille-là, à un moment donné, dès que son esprit a senti que je ne la regardais plus, c'était la totale. Elle s'est mise en même temps à m'attaquer là où je ne la regardais pas. Mais c'est avec les flèches de la sorcellerie. Les flèches de la sorcellerie ne sont pas visibles avec les yeux physiques. C'est avec les yeux spirituels. Donc, quand je dis avec les flèches de la sorcellerie, là, vous voyez vraiment des vraies flèches, mais ce sont des flèches spirituelles. Dès que elle l'a attaqué, je l'ai pas entendu deuxième fois en même temps. J'ai dit, wow, Jésus. Donc, c'est une sorcière qui est là. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Une femme peut être belle, mais avoir un très vilain caractère. Une femme peut être très belle, mais avoir l'esprit de la sorcellerie en elle. Si tu la pointes la main chez toi, il n'y aura plus jamais de bonheur chez toi. Il n'y aura plus jamais de paix dans ta maison. Et je l'ai regardé comme ça. Et je me suis dit, vraiment, Dieu merci parce que avant qu'elle ne m'attaque, j'avais déjà pris des mesures. C'est-à-dire, j'avais déjà pris la décision de me l'écarter, de ne plus la regarder. Et ça m'a permis, hein, de pouvoir vraiment voir qui elle est réellement. Et je vais vous parler du temps. Le temps. Le temps est très important quand vous voulez connaître une personne. Si vous voulez savoir qui est qui, là, il faut attendre le temps. Dieu a dit qu'un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est quel arbre, dès qu'il a poussé, il donne des fruits en même temps? Ça n'existe pas. Il faut un temps pour pouvoir voir ses fruits. Et ce temps-là, c'est un temps où vous allez observer la personne à distance. Vous allez observer l'individu à distance. Et c'est ce que j'ai fait. Déjà, elle était accompagnée par un homme. Un homme, forcément, c'est son gars. Mais ça peut être aussi son frère. Moi, c'est son gars. Mais je n'ai pas regardé à tout ça. J'ai plutôt regardé au fait que mes sentiments étaient en jeu. La fille, elle est jolie. Elle est très, très, très. Il dit, elle est jolie. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez le français? Il dit, elle est jolie. Elle est jolie. Tu la vois même, tu as l'impression que c'est maintenant que toi, tu viens d'arriver sur la terre. Je l'ai vu. Je dis, Seigneur, ta grâce. Souvent, les gens sont dit, oh Dieu, donne-nous la force de résister à la tentation. Mais dès qu'une fille vient, il a moi pleure. Boum, 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 boum. Et puis après, il dit, Seigneur, je suis combien à la tentation, pardonne-moi. Seigneur, pitié de moi, hein. Mon ami.
tu te fatigues. Il y a certaines prières, il ne faut pas les faire. Femme et garçon, il n'y a pas de prière dans ça. Il faut prendre des mesures pour que vous ne soyez pas seul. Pourquoi souvent, quand certains hommes demandent un rendez-vous à une fille, ces gens-là lui disent, écoute, faut pas être accompagné, hein. Faut venir seul. Ouais. C'est parce que si elle est accompagnée, il ne pourra pas aller à l'hôtel avec elle. Du coup, il veut que les conditions soient réunies afin que lui puisse l'amener là où il veut après. Ça veut dire que si vous mettez une barrière en envoyant une deuxième personne, c'est sûr qu'il ne pourra rien faire, il sera bloqué. Ça veut dire que là, s'il n'y a qu'à poser des actions qui vont vous sauver la vie. Dans la Bible, on nous dit que Joseph, il a fui quand la femme de Potiphar était venue à lui. Il a fait quoi? Il a gambolo. Il a fui. Jusqu'à ce que son vêtement était déchiré, c'est resté dans la main de la cour. Elle s'est mise à crier. Ah, c'est que... Ah, violé, la tête, elle est violée. Et la femme de Joseph, elle mentait. Elle mentait même depuis. Hein? Les femmes mentaient quand même. Hein? Ti. Et puis, elle ment au corps. Femme. Donc il faut prendre des mesures, Moi quand je l'ai vu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que vraiment, elle était trop belle. C'était trop. Il fallait que je fasse quelque chose. Et la chose que j'ai eu à faire, c'est de prendre ma paire de lunettes solaires, cacher mes yeux, et puis tourner mes yeux à gauche, à droite. Puisqu'elle était à gauche, j'ai tourné mes yeux à droite. Et j'étais là tranquillement. Et j'ai commencé à penser à autre chose. Parce que vous allez finir par oublier. Tout chose passe. Même si tu es excité, comment, oh, faut t'asseoir là, faut boire de l'eau. Ça va passer. Eh bien, oui. Parce que toute chose passe. Tu as dit que toute chose passe. Et vraiment, toute chose passe. C'est vrai. Et c'est passé. J'ai dit. Et c'était là. J'étais là, j'ai attendu le temps. Comme un arbre qui doit produire un fruit. Et son arbre a produit un fruit, c'est tombé. Elle m'a attaqué, j'ai vu la flèche. C'est ce jour-là. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, là, hein. C'est aujourd'hui, il y a quelques jours, on est 18. Oh là, on est même dans 18 heures là. Il est 18 heures là, il vous fait cette vidéo, même 18 heures 38. C'est-à-dire dans la même heure là. Genre 17 heures, 18 heures. Voilà. Même intervalle d'heure là. De temps. C'est là que j'ai eu encore la confirmation que femme sont clairs. Son joli haut, son forme, son skinny. Si elle a un esprit de la sorcellerie, on fait rien ça. J'ai dit, on fait rien ça. Ouais. J'étais choqué. J'ai dit, avec ça, là, les gens veulent qu'on se marie. Avec ça, là, les gens veulent qu'on se marie. Hein, se marier avec qui? Il y a qui? Il y a même qui? Le Seigneur Dieu lui-même l'a dit. Mais qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Vous pensez que si avec client, Dieu allait prier quoi? Qui je vais envoyer? Qui je vais envoyer? C'est parce qu'il y a no one. Il y a personne. Personne. Le cœur des humains, c'est-à-dire les hommes et les femmes, leur cœur, sont orientés vers le mal, vers l'esprit du mal, vers l'esprit du démon. Je vois combien on m'attaque chaque jour. Hein? Je sais de quoi je vous parle. Donc, quand Dieu dit qui enverrai-je, c'est parce qu'il n'y a vraiment personne à envoyer. Il n'y a personne qui est prête à recevoir l'instruction de Dieu. Et à dispatcher les informations de Dieu comme ça à tout le monde, comme ce que je suis en train de faire. Les gens comme moi sont vraiment des cadeaux pour l'humanité. Des cadeaux, là où je suis. Que je veux ou pas, je ne pourrai jamais quitter le chemin sur lequel je suis. C'est ça ou rien.
Parce que derrière moi, là, il y a des ennemis. Il y a des ennemis qui me poursuivent. Ils sont nombreux. Ce ne sont pas 10 000. Ce ne sont pas 20 millions. Il y en a trop. Ils sont même plus que mes... Ils sont plus nombreux que mes abonnés ici. Ils sont plus nombreux que mes abonnés ici. Si je vous dis à vous tous ici, les abonnés, venez. Venez, allez se bagarrer. Venez, allez se battre. Venez, mais venez pour ma défense. Vraiment, si c'est dans la bagarre, vous ne pouvez pas. Mais si vous montrez en prière, peut-être que ça va marcher. Parce que Dieu est plus fort. Les anges de Dieu qui sont avec nous, là, sont un plus grand nombre que les démons qui sont avec eux. C'est la seule stratégie hein, qui peut fonctionner. C'est la seule chose qui peut marcher. Sinon, ces gens-là sont vraiment nombreux. Ils sont très nombreux sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai fini d'acheter ma nourriture et je ne l'ai plus regardée deux fois. Mais je suis tombé sur elle une fois, j'ai vu qu'elle était belle. Point. Mais je ne l'ai plus regardée deuxième fois. Je l'ai quittée. J'ai quitté l'endroit. Puis je suis rentré. Mais sur le chemin, hein, non, j'ai regretté de l'avoir regardé. J'ai regretté d'avoir aimé sa beauté. C'est là que j'ai dit, vraiment, ça ne vaut pas la peine de regarder une femme belle. Si après, vous allez découvrir que elle n'a pas un bon fond. Je vous assure. Ça ne vaut pas la peine, je dis, de regarder une femme belle. Si à la fin, vous allez découvrir qu'elle est une sorcière. Et il y a beaucoup de très belles femmes, je vous l'ai dit. Des femmes attirantes. Des femmes extraordinaires. Elles sont bonnes. Mais elles sont des sorcières. Parce qu'aujourd'hui, hein, je suis allé dans un supermarché. Un grand, grand endroit. Un endroit vraiment très grand. Quand vous entrez là-bas, il y a tout, et puis ça coûte très 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 cher. C'est là-bas on voit les montres chères, les Rolex. J'ai vu tout ça. Tu vois, tout est climatisé, nous doit climatiser, c'est grand. Je suis allé là-bas aujourd'hui, comme d'habitude, parce que souvent quand je vais acheter des produits de qualité et que je suis prêt à mettre le moins en jeu pour, je vais dans de tels endroits pour m'offrir cela. Là, je suis sûr que le produit que je vais acheter là, c'est là, non seulement maison mère, c'est la maison mère, et puis ce sera de qualité, puisque j'ai déjà acheté plusieurs produits là-bas. Comme quoi? Comme ce produit, ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est un clavier, non? Ce clavier là, ça m'a coûté très cher, ça m'a coûté une fortune. Mais j'ai acheté ça pour les gens qui mettent des mauvais commentaires. Et elle est malade, tu mets des mauvais commentaires ici. Tout ça là pour toi. Mais vous pouvez m'aider, hein, les frères et sœurs. Vous pouvez m'aider. Donc, je lui ai dit, ça, c'est un super marché. Hein. Juste une parenthèse. Ils ont dit, c'est un super marché là. Et puis, vraiment, même là-bas encore, hein. Là où j'ai dit que c'est un lieu très classe, là, j'ai vu beaucoup de sorcières là-bas comme ça. Comme on dit beaucoup chez nous, on fait comme ça. Beaucoup de sorcières. Ouais, voilà, on fait comme ça, on met la main comme ça. On dit j'ai vu beaucoup de sorcières. Et elles sont belles. Oh, elles sont dans climatisées 24 heures sur 24. Chez nous, on dit elles sont dans un frayon. Mais, elles sont la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a 6 ans. Elle est assise dans le magasin. Peut-être que toi tu penses qu'elle regarde ici. Hein? Elle regarde derrière. Elle dit qu'elle a les deux yeux. Elle a deux yeux. Elle est une sorcière. Ça m'étonne. Non. C'est que Dieu me montre ça, je vais. Si je vous explique. Hein? Non. Je suis quoi fait 10 milliards de vidéos ici. Des vidéos très longues. Si vous aimez les vidéos très longues comme ça, dites-moi en commentaire. Dites-moi qu'on aime les vidéos longues. Là, je vais vous faire des vidéos longues pour bien vous dire des choses avec plus de détails.
Il dit, la fille, elle est assise. Mais ses yeux-là, ses yeux de démon, elle n'utilise pas ça. Ce sont les yeux qui sont sur sa nuque. Elle dit, de la manière où vous voyez devant, là, c'est quand elle voit derrière. Tout ce qui passe là, avant que vous dites, vous n'arrivez vers elle, elle sait déjà que vous allez arriver vers elle. Et elle a arrêté là. C'est-à-dire qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la sorcellerie pour faire son business. Et c'est ce que la plupart de ces gens-là font. Ces gens-là utilisent le pouvoir de la sorcellerie afin de pouvoir manipuler les gens. Manipuler les gens. C'est-à-dire que tu ne pensais même pas à cette chose en même temps, tout à coup tu penses à la chose. Oui. Mais ça ne marche pas sur les vrais chrétiens. Ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie. Et encore ceux qui sont vraiment très durs, qui sont droits, qui sont véridiques, qui sont. Comment on va dire ça? C'est quel mot qu'on peut utiliser même pour dire du genre les gens qui sont comme ça. S'il dit c'est ça, c'est ça. Et que vous en commentez, je vais voir. Français est dur. Voilà, les gens qui sont catégoriques. Là, c'est un peu dur de les manipuler. Mais, c'est vraiment compliqué. Donc, elles sont nombreuses là-bas. Ne dites pas que, ah, oh, t'es dans trois classes, tu ne peux pas avoir des sorcières. Il dit, moi aujourd'hui, je suis sorti. Hein. Avant de venir ici, je suis sorti, je me suis baladé. Normalement, je devais être en train de me reposer. Parce que j'ai souffert. Mais, je suis là encore devant vous entrer vous parler. Parce que je veux que vous soyez au courant de ça d'abord. Avant que j'aille me reposer un peu. Pour aller visiter Dieu. Et puis le moins, je vais aller. Et oui. Mes frères et sœurs. Je précise, je rappelle encore. C'est pas tout ce qui brille que de l'or. Dehors, surtout de belles manques, c'est-à-dire de belles femmes, de belles choses. Mais à l'intérieur se trouvent des bêtes. Est-ce que vous avez déjà vu une manque qui est mûre et puis à l'intérieur vous ouvrez, il y a des bêtes noires dedans, parfois des asticots. C'est comme ça qu'elles sont. C'est-à-dire à l'intérieur, c'est un vide total. C'est un vide total. Quand tu vous marches avec elle, c'est comme si vous marchez avec personne. C'est un sentiment profond qu'on ressent dans son esprit. Surtout quand on a le Saint-Esprit. Que ça ne vous arrive pas. Si vous êtes trop amoureux, vous êtes trop gentil, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre vin. Mettez vraiment de l'eau dans votre vin parce que les gens ne sont pas gentils. Pardonnez. Ça va être dur à dire, faut être bon. Soyez bon. Mais, pardonnez, mettez de l'eau dans votre vin. Gardez votre bonté un peu. Parce qu'il y a des gens dehors qui sont sans cœur, sans pitié. Dès que vous leur faites du bien, vous cherchez à vous faire du mal. Même si vous ne vous connaissez pas. Même des inconnus. Et je vous assure, c'est un filage, je ne la connais pas. Même attaqué. Juste parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Juste parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, dès qu'elle m'a vu, elle s'est dit, c'est un ennemi. Parce qu'elle est sorcière, elle ne peut faire autrement si ce n'est de m'attaquer. Et elle m'a attaqué tranquillement, tranquille. Mais comme Dieu est fort, Dieu m'a donné la victoire. Et je suis là devant vous encore. Pour vous raconter tout ce qui s'est passé. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas où elle habite. Mais je connais l'esprit qui l'anime. Je sais que c'est l'esprit de la sorcellerie. Et cet esprit-là se trouve en beaucoup de femmes là dehors. Ne regardez plus à leur forme. Qu'elles soient grosses ou minces ou en forme ou je ne sais même pas quoi. Skinny ou quoi. Ça ne sert à rien. Tu peux prendre une femme qui n'a rien pour attirer physiquement. Mais si elle est ouverte à le Saint-Esprit, hein, je vous assure, vous allez dormir tranquille. Vous allez dormir tranquille. Vous allez dormir jusqu'à demain matin. Mais si tu vois une femme jolie, hein, et puis elle a l'esprit de la sorcellerie, hein. Je me rappelle un jour. Il y a toujours à vous dire.
Hey, Seigneur, pardon. Donne-moi longue vie, je vais parler aux uns. Même aux futures générations, ils vont savoir ce qu'ils doivent savoir. Parce que c'est la vérité. La sorcellerie fatigue trop les gens. Si vous voulez en savoir plus, hein, écrivez en commentaire. On veut la suite. Maintenant, si vous voulez la suite, mais vous voulez que je parle d'une chose avec précision, écrivez ça en commentaire, ajoutez cela, expliquez ça bien. Là, je vais bien voir. Et je vais faire une vidéo pour vous répondre aussi. C'est vrai, quand je vais passer dans la partie commentaire, dès que je vois vos commentaires pour vous montrer que je suis patient, je like, tu like, vous voyez, je like ou bien je laisse un commentaire à côté. Mais je vais répondre clairement à tout ce que vous avez dit en l'heure et en l'âge au travers d'une vidéo. Parce que parfois, écrire beaucoup, ce n'est pas bon. Il faut parler. Bienvenue ici. On va comment? Maintenant, dès que je vois que nous devenons vraiment nombreux, hein, je vais faire des lives et puis on va échanger ici. Vous voyez? Donc, je vais voir vraiment beaucoup de réactions en commentaire. Surtout en commentaire. Et vraiment, soyez prêts. Ne parlez pas beaucoup. Parlez simplement. Là, je descends. Je n'ai pas besoin de lire toute une histoire qui est ici, qui va là-bas. Et je viens lire tranquillement. Et je prends note. Je prends note. Vraiment, mes frères et sœurs, ce n'est pas tout ce qui est briquet de l'or. Avant de choisir une femme, prenez votre temps. Prenez du temps. Seul le temps va vous permettre d'attraper les sorciers et les sorcières. Le temps. C'est un grand mot. Un très grand mot. Je vous assure. C'est pour la prochaine vidéo. C'est à vous de jouer. C'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.